Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour expliqué spécial premium. Merci à tous les souscripteurs qui me soutiennent via le tuto magie premium. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle petite pépite. Un tour vraiment très sympa, très facile à exécuter, mais avec un très bon rendu sur le spectateur et même les magiciens. Comme d'habitude, je vous fais la démo et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description en souscrivant tout simplement à tuto magie premium ou en l'achetant tout simplement sur mon site, ma plateforme de VOD, tutomagie.com. N'oubliez pas le pouce bleu, les commentaires, ça fait toujours plaisir et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à tout de suite pour la démo. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes qu'on pourrait emprunter au spectateur et le faire mélanger par ce dernier. Donc là c'est moi qui mélange les cartes mais normalement c'est le spectateur qui mélange les cartes pour être sûr qu'il n'y a aucune préparation au niveau du jeu. Par la suite, on va faire une petite expérience de voyage dans le temps, c'est-à-dire que je vais projeter là mon esprit dans le futur et pour voir ce qui se passe dans le futur et ensuite revenir dans le présent pour faire justement une prédiction et on verra si ça coïncide à la fin. Donc, je vais tout simplement faire une petite prédiction de cartes. Alors, donc le jeu mélangé, on va tout simplement chercher une carte. Je vais dire, tiens, allez, je vais mettre celle-là, je pense que ça devrait le faire d'après ce que j'ai vu dans mon voyage temporel. Cette carte devrait indiquer le futur, l'avenir. Là, on tend le jeu au spectateur, donc il a mélangé, hein, et on va lui demander de distribuer des cartes une à une sur la table. Donc il fait comme ceci. Bien entendu, il peut prendre des cartes du milieu, hein, il fait comme il veut, il peut faire comme ceci, mélanger le jeu un petit peu à sa guise. Hein, entre temps, hop, redistribuer des cartes, vraiment prendre du milieu. Vraiment, il le fait comme il veut et il s'arrête surtout quand il veut. Bon, voilà, je fais volontaire de faire pas mal de choses comme ceci. Ok, très bien. Quand il veut, il s'arrête, pose le jeu de côté, récupère les cartes juste ici. Et il va faire deux paquets, donc en distribuant les cartes une à une, afin d'avoir des paquets à peu près égaux. Voilà, c'est la façon la plus facile, hein. Finalement, c'est distribuer les cartes une à une, comme ça, en deux paquets. Et on a deux paquets plus ou moins égaux. Et là, après tout ça, souvenez-vous, c'est le spectateur qui a mélangé le jeu, qui exécute toutes ses manipulations, hein. Moi, je ne fais absolument rien, j'ai juste choisi une prédiction à l'avance. Si on retourne la première carte, juste ici, cette carte nous indique la valeur de la carte. Donc, c'est une dame. Et s'il retourne celle-ci, cette carte nous indique la famille, donc ici pique. Donc, réunis, on a la dame de pique. Ça serait fort que mon voyage temporel dans le futur m'ait permis de voir que la carte choisie serait la dame de pique. Ça match parfaitement. Bien entendu, toutes les cartes peuvent être laissées à l'examen, le jeu entier. Il n'y a absolument rien à voir, c'est un vrai petit miracle, ça fonctionne à chaque fois. C'est totalement impromptu. C'est vraiment original, la méthode est vraiment exceptionnelle et ça marche sur les magiciens comme sur les spectateurs.